bénissons notre sœur bien-aimée Amand Chikapol. We bless our beloved sister Amand Chikapol. CMCI Luxembourg. CMFI Luxembourg. Et nous n'avons aucun commentaire à faire. And we have no comment to make. Puisqu'il nous a sanctifié en insistant qu'elle n'a pas fait ça sous la recommandation du Saint-Esprit. Because we don't have to make any recommendation since she insisted that she did not do it under the recommendation of the Holy Spirit. Et qu'elle n'a pas appris ça même du frère Zach. And that she did not even learn it from Brother Zach. Et qu'elle reconnaît que nous ne sommes rien du tout. And that she recognized that we are nothing at all. Mais nous pouvons percevoir qu'elle a passé des temps de grande souffrance. But we can perceive that she spent a time of great suffering. Je la voyais comme cette femme qui est partie d'y réaliser, voici l'enfant. Est-ce que je t'ai demandé l'enfant? I saw her as that woman who went to see Elisha, telling him, here is the child. Did I ask you a child? Il y a un niveau où la douleur peut t'amener très loin. There is a level at which the pain can take you very far. Nous prions que le Seigneur écoute ses cris. We pray that the Lord listen to her cries. Et que un jour, that one day, en regardant l'ennemi, le lieu où il était, By looking at the enemy in the place where he standing, elle ne le voit plus jamais. She will no more see him. Et sœur, si tu nous écoutes, merci. And thank you, sister, if you are listening to us. Parce que ta précision est salutaire. Because your precision is very ça te sauve toi-même, ça te sanctifie, ça te bénit. It saves you yourself, and it sanctifies you, and it blesses you. Prions pour elle. Let us pray for her. Père, qu'un jour, Father, la sœur Amand Chikapol, may sister Amand Chikapol, regarde l'ennemi, sees the enemy, le lieu où il était, the place where he's standing, qu'elle ne le voit plus, and see him no more. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Merci parce que tu lui as donné l'inspiration. Thank you because you inspired her. Pour qu'elle encadre ses propos. For us to check her words. Pour la protéger et pour protéger ton œuvre. To protect it and to protect your work. Nous ne sommes rien. We are nothing. Tu es le Seigneur éternel. You are the eternal Lord. Assis sur le trône. Sitting on the throne. Rempli de compassion. Filled with compassion. Miséricordieux. And merciful God. Riche en bonté. Rich in goodness. Et lent à la colère. And slow to anger. Qui punit l'iniquité. Who punishes iniquities. Qui ne prend pas le coupable pour innocent. He does not consider the one that is guilty as innocent. Merci, merci, merci. Thank you, thank you, thank you. Amen. Amen. Acclamation pour Jésus. Clap for Jesus. Nous allons persévérer dans la prière. We are going to endure in prayer. Est-ce qu'il y a des invités? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? Levez les mains. Are there some people who have been invited, new person here? Raise your hand. Si tu es un invité, lève ta main. If you have been invited, raise your hand. Est-ce qu'il y a des mains levées? Ok, soyez concentrés. Be concentrated. Ce jour, this day, est un jour pour votre salut. Is the day of your salvation. Mais vous serez avec les enfants de Dieu. But you will be with the children of God. Ce que nous faisons fait. What we do, you do it also. Tu seras béni. You will be blessed. 10 personnes, je dis merci pour toutes les guérisons, les témoignages, les visions, tout ce que le Seigneur nous a accordé depuis le début de la croisade. 10 personnes. 10 brethren come to stand here and give thanks to the Lord for the healing, the testimonies, all that the Lord has granted us starting from the beginning of the crusade. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci infiniment pour les guérisons, les délivrances opérées pendant cette croisade au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons grâce.
Seigneur, merci infiniment pour les délivrances qui ont été opérées ici. Merci aussi pour le salut des âmes. Merci pour les guérisons opérées. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour les délivrances authentiques. Nous avons palpé de nos yeux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te disons grandement merci. Tu rends toute la gloire, Seigneur. Ô Éternel des armées, du début de la croisade jusqu'à l'heure ainsi, Seigneur, tu as été avec nous. Merci pour la délivrance authentique. Merci pour la guérison, ô Éternel des armées. Merci pour le salut des âmes. Que ton Seigneur soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci infiniment. Seigneur, merci pour le premier jour jusqu'à aujourd'hui, les prodiges, les miracles, les âmes qui se sont données en masse, en quantité, en nombre. Oh Seigneur, pour des âmes, oh Seigneur notre Dieu qui ont été délivrées. Nous sommes infiniment reconnaissants, toi, que l'honneur et la gloire te soient rendus, celui qui est assis sur le trône. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu des armées, nous te bénissons en ce jour. Père, nous te disons merci infiniment, Seigneur, pour des âmes, pour des protections, Seigneur, que tu fais sur la vie des frères et des sœurs, Seigneur. Père, nous te disons merci parce que, Seigneur, tu protèges tous ceux qui quittent, Seigneur, en ville pour venir nous rendre. Seigneur, oh Père, tu es quoi? Seigneur, tu guides les voitures, tu les accompagnes, Saint et Sauve Saint. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. À toi l'élévation, que l'honneur te soit rendu au nom de Jésus. Amen. Père éternel, je veux te rendre toute la gloire, oh Seigneur. Depuis le début de la croisade jusqu'à maintenant, Seigneur, tu ne cesses d'opérer dans la vie de chaque frère les miracles, des prodiges, des songes, des visions, Seigneur. Et même tu le fais de même, Seigneur, pour nos frères qui nous suivent en ligne. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes ces âmes que tu as sauvées depuis le début de cette croisade. Merci pour les délivrances, les guérisons, toutes les visions que tu nous as accordées pour manifester ton amour pour nous. Merci beaucoup, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour les miracles, pour les prodiges, pour les guérisons, pour les délivrances. Éternel, nous venons devant le trône de ta grâce pour être reconnaissants. Oh Père, gloire, louange, puissance, magnificence à toi au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu de bonté sans pareil, sois béni, sois glorifié, sois magnifié, sois célébré pour toutes ces merveilles que tu as accomplies, pour toutes ces guérisons que tu as accomplies, pour toutes ces délivrances, pour les âmes sauvées. Que la gloire te revienne maintenant et à jamais. Amen. Amen. Seigneur, merci infiniment pour chaque âme que tu as sauvée pendant cette croisade. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour les exaucements. Merci, Seigneur, pour les vies transformées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Ô Père éternel, depuis le premier jour de la croisade jusqu'à ce jour, Seigneur, pour toutes ces guérisons, Seigneur, pour ces conversions, pour ces délivrances authentiques que nous avons vues de nos yeux, Seigneur. Nous te bénissons, nous te disons merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci pour ta puissance, Mère, Seigneur. Merci pour les guérisons, merci pour les délivrances, merci pour les révélations. À toi seule la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, nous te rendons grâce. Toi qui entends nos cris, toi qui entends nos cris et qui nous sauve, Seigneur. Tu nous guéris, tu nous délivres, tu nous délivres, tu nous restaures, Seigneur. Tu utilises même la bouche des enfants de 2 ans, Seigneur, pour nous guérir, Père. Que la gloire te soit rendue à toi qui es grand, qui demeure pour des siècles et des siècles. Amen. Père, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons pour ta puissance que tu as déployée depuis le premier jour de cette croisade. Pour guérir, pour délivrer, pour bénir, pour restaurer. Père, nous te bénissons,
Nous te bénissons pour la protection. Seigneur, à l'aller comme au retour, chaque jour, Seigneur, tu protèges, tu prends soin. Nous te bénissons, nous te bénissons. Nous te bénissons pour toutes ces délivrances. Nous te bénissons pour toutes ces guérisons que nous pouvons voir, que nous pouvons toucher. Et merci, Seigneur, pour tout ce qui s'accomplit, même dans l'invisible. Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Ce qui se passe au milieu de nous, ce qui se passe, Seigneur, dans la vie de ceux qui nous suivent en ligne, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Reçois la louange, la gloire au siècle des siècles. Amen. Prenons nos Bibles dans Marc 11. Let us take our Bibles in Mark 11. Verset 22 à 25. Reading from verse 22 to 25. Marc, chapitre 11, verset 22 à 25. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Mark, chapter 11, from verse 22 to 25. Have faith in God. Jesus answered, truly, I tell you, if anyone said to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for you. As for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sin. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Si nous croyons, if we believe, nous verrons la gloire de Dieu. We will see the glory of God. Si tu crois, if you believe, tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of God. Il faut avoir la foi. You must have faith. Pour supplier Dieu. To beseech God. C'est nécessaire. It is necessary. Il faut avoir la foi. You must have faith. Pour demander. To ask. Comme un enfant. As a child. Les enfants, donne-moi. The children said, give me. Après, tu dis que non, dis s'il te plaît. Some say, no, say après, please. Après, tu corriges, dis s'il te plaît, maman. After you correct it, say please, mommy. Mais il a déjà demandé, donne-moi. But he has already asked, give me. Il faut la foi pour demander comme un enfant, donne-moi. You need faith to ask like a child, give me. Il faut la foi pour importuner Dieu. You need faith to importune God. Si j'étais à la place de la sœur Ama, if I were sister Ama, pendant que la douleur terrassait, while the pain was hard, j'allais dire à Dieu, ton serviteur a dit que si on a la foi, tu vas agir. I would tell God. Your servant said that if you have faith, you'll act. Tu as dit que si quelqu'un
écoute tes serviteurs. Ça veut dire qu'il t'a écouté. Je l'ai écouté. Guéris-moi maintenant. He said that if somebody listens to your servants, then it is you that person is listening to. Now listen to him. Heal me now. Je crois qu'il a parlé de ta part. Guéris-moi maintenant. Tell God. She should tell God. She should have told God. I believe that he spoke from you. Heal me. Je t'ai fait quoi? Tu guéris les autres, tu ne me guéris pas. Oh Dieu! She said, what have I done? What have I done to you? You heal the other, you don't heal me. Oh God! Et les autres l'ont écouté. Ils ont témoigné qu'ils ont été guéris. Est-ce qu'il y a un problème entre moi et toi? Père éternel. The others, listen. Pourquoi me caches-tu tes desseins? The others listened to him and they testified that they have been healed. Is there a problem between you and me? Oh, Father Lord, why do you hide your purposes to me? Tu dis que si j'ai la foi, même comme un grain de sénévé, la main dépasse même le grain de sénévé. Oh, Dieu, aide-moi. You said that if you have. Quand Dieu écoute, c'est qui fait ces choses? When God listens, he says, who is doing such things? Je descends pour voir. He says, I'm going down to see. Les cris que j'entends là. The cries that I hear. Frère, Dieu descend. Dieu agit. Il n'est pas une statue là comme ça. Brother, God. Au siècle des siècles. God hears. He comes down. He's not there like a statue standing there for ages. Quand les gens se repentent, il dit, j'écoute leurs prières de repentance. Il dit, qu'est-ce qu'ils disent? When people repent, he says, I listen to the prayer of repentance. What are they saying? Si quelqu'un a une statue à la maison, if somebody possesses a statue at home, qu'il adore, that he worships, il dit tout. Il ne parle même pas de la statue. Il dit, Seigneur, tu connais mon cœur. Il est. He says. Everything. He does not talk about the statue. Cherche de toutes mes forces. Oh Lord, you know my heart. I'm seeking you with all my strength. Dieu, qu'est-ce qu'il dit? God said, what is he saying? Il écoute jusqu'à la fin. He listens up to the end. Il ne dit pas que je prends la statue, je casse. He does not say that I take the statue and I break it. Car je reviens à toi. Because I'm coming back to you. Dieu dit, laisse-le. God says, il n'a pas parlé comme il devait parler. Leave him. He did not speak as he was Dieu to entend. Speak. God hears. Le psalmiste a demandé à Dieu. The psalmist asked God, pourquoi dors-tu? Why are you sleeping? Frère, je vous dis la vérité, Dieu ne dort pas. Mais cette question-là le provoque. Brethren, I tell you the truth, God does not sleep, but this question provokes him. Mais il ne dit pas ça charnellement. But he's not saying it carnally. Il dit à Dieu. He tells God, est-ce que ce sont les morts qui te louent? Is it the dead people who praise you? Quand je joue la musique là, ça te fait du bien. Je compose les cantiques. Est-ce que les morts composent les cantiques? When I'm playing the music, it does good to you. And when I compose songs, it does good to you. Quand je prends la harpe, le luth et le tambourin, est-ce que les cadavres jouent les instruments pour toi? Me voici, je suis vivant. But do the dead people sing to you? Here I am, tu I am dois m'aider. You must help me. Parce que je t'adore. Because I worship you. Dieu dit, qu'est-ce que cet enfant raconte? God says, what is this child saying? Après, il dit, non, il a raison. And after he said, no, he's right. Après tout, c'est moi qui l'ai créé. And after he says, I'm the one who created him. Il souffre. He's suffering. Sa souffrance l'amène à raconter n'importe quoi. Allez, délivrez-le. His suffering brings him to say anything. Deliver him. Il a dit ça dans sa parole. He said it in his word. Il dit, je le guérirai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Comme ils sont là, waouh, Seigneur, oh, allez les guérir. He said, I will heal him. He and those who are crying with him. Lui, him, et ceux qui pleurent avec lui. And those who cry with him. Je les console. I will leur donne la louange. I will console them and give them praise. Témoignage. And testimony. Frère, Dieu est bon, frère. Dieu est très bon. Brethren, God Dieu is good. Veut God is very que good. Tous ses enfants. He wants all his children. Sache qu'il est bon. To say it, proclaim même that comme good. Il nous a maudits. Even though he has et qu'il a chassé Adam du jardin. And that he cast Adam away from the garden. Mais il ne nous a pas abandonnés.
But he has not abandoned il us. A créé la voie pour la rédemption. He has created, he has paved le même jour. Paved the way for redemption. On dit, the same day. Il a dit à la femme. He told the woman. Ta postérité écrasera la tête du serpent. Your seed will crush. Le même jour. The head of the snake. Et cette postérité. On the same day. C'est that, Jésus de Nazareth. And that seed is Jesus of c'est Nazareth. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Et puis quand tu pries. And when you pray, n'écoute pas la douleur. Do not listen to the pain. Écoute le Saint-Esprit. Listen to the Holy Spirit. Élie a vu une petite, un petit nuage. Elijah saw a little cloud. Il a dit à Ahab, va manger. He thought, as I'm going to eat. La foi te fait percevoir ta guérison et tu arrêtes l'eau. Tu dis c'est fini, Dieu m'a exaucé. The faith leads you to perceive your healing and you say it's finished, God has healed me. Il ne faut pas dire, oh Père, tu as commencé, je vois une petite main là-bas, un petit nuage comme une main. Tu as commencé. Do not say, oh God, you have started. I see a small thing like this. Tu vas achever. You are going to complete it. Non. No. Tu as fait. You have done it. Je vois. I see. La bataille est terminée. The battle is finished. Tu as fait. God has done it. Tu as fait. You have done it. C'est ça là-bas. This, there it is. Les autres te demandent, c'est où? The others ask you, where is it? Après, tu as vu. And after, what have you seen? Je vois, c'est ça, je vois. I see, I see. C'est donné, c'est libéré. This is it, it's released. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Dis à Dieu, si Dieu t'a montré if God has shown un petit nuage, small cloud, proclame que j'ai vu. Proclaim that I've seen. Tout de suite. Right now. Dis, Père, tu as donné, je vois, c'est ça, c'est say, ça. Say, Father, you have given it, I've seen it. This is it, this is it. Tu touches ta tête. You touch your head. Tu vois comment là, si c'était température 50 degrés, tu touches comme ça, tu dis, Seigneur, c'est parti, c'est parti. You see, even if the temperature was 50, you say, oh Lord, it's finished. Le diable te dit, non, attends un peu. Hey. The devil tells you, no, wait. N'attends rien. Proclame. Dis je vois. Say I see. Je vois. I see. C'est fini. I c'est see. Fini. It's finished. Le Seigneur a agi. The Lord has il acted. Agi. The Lord has acted. Pas qu'il a commencé à agir. Not il that a agi. He il a agi. He has acted. C'est ça la foi. That is faith. C'est ça la foi. That is faith. Ayez foi en Dieu. Have faith in God. Quand tu crois, tu corriges ton langage. When you believe, you correct your language. Dieu sera honoré. God will be honored. À un moment donné, at a certain moment, même s'il ne voulait pas te donner, even if he did not want to give you, il va te donner. He will give you. Et c'est lui-même qui nous enseigne ça. And he himself teaches us. Il dit dérangez-moi, importunez-moi de telle sorte que même si je ne voulais pas vous donner, que je décide de vous donner. He says, c'est bother me, importune me. So that even if I had wanted not to give you, I will give it to you. Jeremiah dit à Dieu. Jeremiah told God. Serais-tu pour moi? Will you be for me? Une source trompeuse. A source of deceit. Quand Dieu a entendu ça. When God heard this. Il est sorti de son silence. He came out of his silence. Il dit. He said. Si tu te sépares. If you. De tout ce qui est vil. If you separate yourself from everything that is vile, tu seras comme ma bouche. You will be like my mouth. Ils vont te combattre. They will fight you. Ils ne vont pas te vaincre. But they will not overcome you. Mais discerne entre ce qui est vil et ce qui est précieux. But you have to discern between that which is vile and that which is precious. Si tu le fais, if you do it, si tu dis montagne viens, la montagne va venir. If you say mountain come, the mountain will come. Tu seras mon prophète. You will be my prophet. Jésus dit. Jesus said. Même s'il ne te donne pas parce que c'est ton ami.
Even if he does not give you because he is your friend, il va te donner parce que tu le déranges, tu l'importunes. He will give you because you bother him, you importune him. Dis amen. Say amen. Pour prier de cette manière, to pray this way, il faut d'abord croire que Dieu existe. You must first of all believe that God exists. Parce que si tu n'as pas cette assurance, cette conviction, because if you don't have this conviction, this assurance, tu as l'impression que tu joues. You got the impression that you are joking. Tu vas manquer de repos. And you will lack rest. Et de temps en temps, tu seras agité. And sometime to time, you'll be restless.